Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outworld, l'Odyssée d'Abe. L'avant-dernier épisode, je peux annoncer que c'est l'avant-dernier épisode. Normalement, je ne dois pas me tromper par rapport à ça. On est vraiment très proche de la fin. Ok, j'ai une mine sur moi, très bien. Enfin, une mine, une grenade, pardon. Alors, c'est parti, sans plus tarder, on attaque la suite du WT, on continue à délivrer nos copains. Nos copains, les Mudokons. Et donc, comme je vous le disais, effectivement, avant-dernier épisode. Parce que vu ce qu'il nous reste à faire... Allez, réveille-toi. Tiens, non! Pourquoi t'es parti? Pourquoi il est parti? Pas cool. Tiens. Ah bah je l'ai raté mais j'ai détruit la caméra, enfin l'espèce de sentinelle. Écoutez, on va pas se faire chier. Hop, maintenant je peux l'envoûter. Et d'ailleurs tu me sers à rien. Je voulais m'en débarrasser avec une bonne grenade dans la tête. On va donner un peu de fil à retordre, pas cool. Mais bon, tant pis, bref, l'essentiel, c'est qu'on puisse passer et délivrer nos amis, les Mudokons. Allez, suis-moi. Attends, par contre, un truc ici. Où est-ce que... Voilà, où est-ce que tu vas, toi? Ouais, ça, ça pue. Non, c'est bon, ça passe. Parfait, allez. Tu peux venir de ce côté-là maintenant. Voilà, on va chercher ton deuxième copain. On va en profiter pour faire ça. Suis-moi, mon ami. Et l'air de rien, on va passer à 16 employés restants. L'usine doit plus trop bien fonctionner là, quand même. Hein. Parce qu'au fur et à mesure, tous les Mudokons sont délivrés. Donc je me demande comment l'usine peut tourner. Aïe. A mon avis, il tourne pas grand chose. Alors, c'est parti. Si je lui envoie une mine, est-ce que j'ai le temps de me barrer après? Oh oh. Je l'ai pas tué. Ça, c'est pas bon, ça. Ça sent pas bon. Ok, je l'ai esquivé. J'ai un peu joué au con en fait. J'aurais dû envoyer ma grenade d'en haut bien tranquillement et bien sagement. J'ai voulu faire le malin et le tuer pendant son sommeil. Sauf qu'au final, que dalle. J'ai un peu trop fait mon malin, je crois, là, sur cette partie-là. J'espère juste que là, il s'est rendormi ou pas. Ouais, il s'est rendormi. Bon, cool. Cool, cool. Tiens, salut. Et puis tiens, prends-toi ça. Bon bah voilà. C'était quand même pas compliqué à faire. Ah là 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 là. Alors, on allume la loupiote. Ici, je peux pas aller plus loin. Il n'y a pas de passage. On scrute les environs vite fait. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va se débarrasser de une, de deux. Voilà. Ça sera plus rentable parce que ici, du coup, ça m'en fera toujours une de plus. Avant de quitter cette partie du niveau. Hop, et c'est parti. On peut mettre les voiles d'ici. Évader 83, oui. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On va tout péter, nous, on est comme ça. Alors, boum, direction Zoulag numéro 3. Ne rate pas la porte, s'il te plaît, merci. C'est un peu mieux comme ça. Et c'est parti, on va faire une petite balade. Oh yeah! Les plateformes ont changé de couleur.
couleur violette plus sombre, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment comme si ça annonçait quelque chose de auquel toutou. On se casse. D'accord, je peux pas l'envoûter. Prout! Ouh, ça passe tranquille. Ça passe tranquille tout ça. Voilà, on récupère le Stig, le toutou. Voilà, viens avec moi le toutou. Hop là, et voilà. Pendant ton sommeil, et boum! Et on nettoie tout. Voilà, aucun survivant, c'est pas comme Highlander. Je veux pas de survivants, on déglingue tout. Du coup, hop, on a ce levier là à faire. Et on peut continuer tranquillou. Alors je continue à essayer de scruter le plus possible les environs. Mais bon, j'ai préparé un peu tout ça, il n'y a pas de passage secret ici. Mais comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est tout le temps en stress dans ce jeu, à regarder partout, à se dire, attends, là il y a un passage à droite, non, là il y en a un à gauche. Si vous refaites ce jeu, au petit bonheur la chance, ça va encore. Parce que vous pouvez avancer, pas trop faire attention, enfin, juste pour de l'amusement, on va dire. Par contre, si vous voulez vraiment le rusher, j'entends du bruit. Si vous voulez vraiment le rusher sur du 100%, c'est vrai que là, faut vraiment vous pourrir à essayer d'aller partout le plus possible. Et c'est déjà plus compliqué. Boum! Allez, on se débarrasse de ça. On récupère notre ami le Slig ici. Comme ceci, parfait. Hop, le levier, ça sera mieux de l'activer. Pour que je puisse te tuer dans ton sommeil. Bref. lui, je n'en ai plus besoin. Ah, ça me stresse les morceaux, les carcasses de viande qui tombent là. Oh là là, ça me stresse, ça me stresse. J'ai l'impression que je vais me le prendre dans la figure avec l'écran qui tremble de partout là. C'est assez horrible. Voilà, reste là parce qu'ici on peut pas descendre. Il me reste des grenades. Ouais, j'en ai deux. Très bien. Ah, les carcasses me stressent. Au secours. Ok. Alors, c'est parti. On peut le faire. Taïo. Oh, merde. Oh, merde. Bon. Ça s'appelle la mégalouse. J'ai complètement raté mon saut. Ça, c'est pas tip-top. Écoutez, les amis, ce qu'on va faire... ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire juste le petit passage, histoire d'éviter quand même qu'il y ait trop de longueur sur l'épisode. Et puis ça, on vient de le faire ensemble. J'ai quand même pas grand chose à faire. Donc je m'occupe de ce passage et je vous reprends de suite. Ok, ok. Alors ça y est, après ce fail magistral de tout à l'heure, on se retrouve au même endroit. Et pour info, j'ai 9 grenades. Donc le distributeur du haut en donne une blinde. Donc ça vaut quand même pas mal le coup. 9 grenades, c'est pas mal. Et donc, c'est parti. On continue ce passage-là. Voilà. Avec toujours cette viande qui me stresse. Et on va éviter, bien évidemment, de retomber comme une merde. Alors voilà, évidemment, c'est pas grave. Next. Allez, on envoûte le Slig suivant. Non. Voilà, c'est ça. Alors par contre, juste une chose. Est-ce que ici, j'ai quelque chose à faire? Non, j'entends du bruit, mais personne vient. Donc on va aller sur la gauche. Ah bah, je peux rien faire du tout. Allez, hop. Comme ça, c'est réglé. C'est réglé. Un Mudokon, deux Mudokon et trois Mudokon. Écoutez, on va déjà aller de l'autre côté avec les bouts de viande qui bougent de partout. Et si je m'en souviens bien, ici, c'est un peu showtime. Non, voilà, ça passe. Il y a un timing assez serré ici, histoire de ne pas se prendre une balle dans la tête par notre ami le Slig, n'est-ce pas? Comme d'habitude, j'ai envie de dire.
Et je pense que je n'ai pas besoin de lui pour la suite, mais on va être sûr et vérifier. Non, on n'a pas besoin de lui. Ok, donc on va laisser ça ici. Et... Salut mon copain. Salut, salut, suis-moi. Allez, Ok. c'est parti, méga brochette, on en a 4 à libérer en même temps. Suis-moi. Ok. Allez, viens. Viens, 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 viens. On va te mettre sur la plateforme. Donc du coup, 3 Mudoku en bas et un en haut. Un Mudoku en haut, celui qu'on avait laissé au début de ce niveau-là. Et que j'ai redéplacé, bien évidemment, Salut. après mon fail lamentable. Dis-moi. Non, allez, suis-moi, j'ai dit. Suis-moi. Ok. Voilà, parfait. Du coup, ça en fait un deuxième. Parfait. Ok. Le dernier pour cette plate, pour cette partie de tableau. Salut. Salut. Dis-moi. Ok. Allez, viens. Ok, parfait. Donc on en a trois juste ici. À la limite, la porte. Je ne sais pas. Oui, je sais. Je me suis... Voilà. On se rapproche un peu plus. Ça, on peut l'activer tout de suite. Toi, Salut. Salut. Dis-moi. viens avec nous. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Et on va pouvoir se débarrasser de nos quatre copains. Allez, hop, je veux plus vous voir. Et l'air de rien, c'est quand même une bonne chose parce qu'il ne reste plus que 12 employés dans Rupture Farm. Donc plus que 12 Mudokons à délivrer. Et maintenant qu'on a le super méga pouvoir, on peut aller de l'autre côté. Bien évidemment, on va éviter de se foirer, sinon il faut tout recommencer. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai pas besoin d'élan ici. Oh, ça me stresse ces trucs-là à chaque fois. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, ça me stresse. Taïo! Yes! Kamea! Écoutez, tout est nettoyé. Rien à signaler. Et deux employés de plus à libérer. Zou! Oh, 10 employés, c'est beau ça! C'est beau, c'est beau. Plus que 10 employés à libérer. Oh, ça fait du bien. Et puis c'est là que je me rends compte que du coup, juste à la fin du jeu, il m'en manque plus que un, imaginez. Ce serait la loose, juste pour un petit passage quelque part. Ah, je crois que je pète un câble là. Hein. Je crois, hein, à mon avis. Il y a de fortes chances. Allez. Trêve de conneries. On met les voiles. Hop. De ce passage. Il y a pas mal de choses à faire. Pas mal de Mudokons à libérer ici. Voilà qui est parfait. On s'occupe maintenant de cette porte-là. Sur l'autre, il y en avait 3 ou 4, je sais même plus. Peut-être autant. Oh, que j'aime bien ce genre de truc. Le genre de truc bien stressant. Et j'ai des grenades ou pas? Ah, j'en ai 9. J'en ai 9. Est-ce que je peux pas me débarrasser de la grenade en haut? Enfin, pas de la grenade, mais de la bombe. Ouais! Ah bah ça tombe plutôt bien que j'ai un gros stock, on va s'en débarrasser. Alors mauvais timing. Mais on va nettoyer ce plateau-là comme ça, on va pas se stresser. Alors, une fois qu'il est en haut, il reste pas mal de temps. Tac, tac, tac. Je l'ai encore foiré, est-ce que ça marche comme ça? Oh oh. Ok. Ok, c'est déjà un peu mieux. Il y a eu du cafouillage quand même. Il y a eu pas mal de cafouillage. Mais bon, l'essentiel est fait. Non! Oh là 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 là. Heureusement que j'ai pas continué à courir parce que du coup, je me retrouvais électrifié. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Salut. Salut. Dis-moi. Allez, viens par là, toi. Voilà. Viens. Suis-moi. Ok. Voilà. Attends. Ok. Reste là.
Sincèrement, est-ce que j'ai besoin du slig? Je sais pas, mais dans le doute. D'accord. Oh. J'ai fait tomber toutes mes grenades. What? Je suis dans le caca. Ah bah bravo! Bravo, victime 1! Ah bah oui, j'ai fait tomber mes grenades. Ah bah oui! Ah bah décidément, ça va être l'épisode du fail, je crois. Ok, j'ai toujours mes 9 grenades. Bon bah écoutez, comme tout à l'heure, je renettoie tout ce bordel et on se retrouve de suite. Yop, 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 les amis. Ça y est, nous revoilà. Alors cette fois-ci, j'ai fait descendre notre ami le Mudokon en bas pour éviter qu'il soit un peu trop près. D'ici au niveau de la plateforme, au cas où je me rate. Et on va recommencer les choses cette fois-ci. On va éviter de se foirer. 4, 5, tiens! Voilà! C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Sécuriser le Mudokon. Et envoyer valser. Hop là! Et envoyer valser la petite sentinelle. Le Slig. On n'en parle plus. Voilà. C'était pas si compliqué que ça au final ce chemin-là, mais je commence à fatiguer à la fin de ce WT, je crois. Ça joue sur les nerfs, tellement sur les nerfs que du coup j'en peux plus, hein? Oh. Ok. Ok, tout va bien. Ouais, tout va bien. Allez, on attend qu'ils reviennent. D'accord, il est tombé dans un trou comme un con. Parfait. Ici, pas d'autre passage caché avec un Mudoku en train de faire le ménage dans un coin. C'est ça l'avantage. Du coup, il me reste 5 grenades. Très bien. On peut partir d'ici. L'environnement ici, le passage est pas très, il est pas très grand, l'air de rien. Il est pas très long à faire. Mais bon. Hein, c'est suffisant pour pouvoir taper du méga fail comme je l'ai fait. Allez, on reste pas plus longtemps ici en tout cas. Bref, il ne reste plus que... On est déjà à 90 Mudokons d'évadés. L'air de rien, il nous en reste plus que 9. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Mais bon, hein, jusqu'au dernier, comme je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire. Je peux me retrouver avec un Mudokon d'oublier quelque part et là, ça sera... Ça sera le pire de tout. Alors, énormément de Slig. Très bien, ils sont 3. On va les laisser. Oh bah ici, rien de très compliqué. Notre ami est tout seul. On va donc prendre notre temps pour l'envoûter, n'est-ce pas? Parfait. Et juste à côté, ouais, il y a un levier. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Alors attends, je suis mal placé. Tiens! Allez, suivant! On va attendre qu'il repasse à chaque fois sur la petite plateforme, de manière très simple. On se retourne, on lui met une balle. Allez, à ton tour! Non, bon, on va attendre qu'il revienne. De mémoire, ce passage, je crois qu'il n'est pas très 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 compliqué. Mais bon, comme d'habitude, hein, on va quand même rester un minimum attentif, hein. Pas compliqué ne veut pas dire ne pas être à l'abri d'un fail tout de même. Et ici, il n'y a plus rien. Allez, j'ai plus besoin de toi. Allons chercher notre ami le Mudokon. Allez, hop, viens par là. Et le but, c'est que tu t'arrêtes juste ici. Viens. Clac. Parfait. Parfait, parfait. On n'a plus qu'à le faire descendre. Voilà, comme ceci. Non. Voilà, faut que je te redise bonjour, sinon tu me suis pas, hein. Sale bête, va. Allez, du vent, je veux plus te voir. Alors que je t'en mette une derrière la tête, là. Hein. Allez, on continue. Plus que 8 employés. On est d'accord? Ouais, on est d'accord. Il me reste de la grenade.
Par précaution, j'ai l'habitude d'aller doucement sur la pointe des pieds. Et ici, bah écoutez, ici, rien à signaler. On peut envoûter tranquillement. Ok, bah c'est pas grave, on s'est fait déglinguer, mais c'est pas grave. Allez, à ton tour. Voilà, comme ceci. On va déjà activer ça. Et à droite, à droite, à droite. Déjà, on se débarrasse de lui. Oh! Ok, alors j'ai réussi à en tuer qu'un seul. Il y en a encore deux autres, des sligues. Yes! Allez, venez par ici. C'est mon QG ici. Je peux vous envoûter tranquille. Non, repartez pas. Ok. T'excites pas, mon gars, t'excites pas. Il y en aura pour tout le monde. Ok, good. Alors attends, on va quand même y aller pépère parce que... J'entends un chien. Alors comment ça marche déjà? Non. Ça c'était le non. C'est ça. Et c'est ça. Ok. Allez. Merci. Pourtant, je m'étais planté au départ. Je m'étais planté au départ. Non. J'ai toujours du mal avec ces boutons et j'ai pas envie de mettre deux balles. J'ai pas envie de mettre deux balles. Au Mudokon, parce que laisse tomber. Faudrait tout recommencer. Faut pas s'embrouiller dans les langages. Et du coup, c'est pas L1 rond, mais c'est L2 rond en fait pour dire au Mudokon de se baisser. Et écoutez, je crois que là on est full dégagé, hein. Ouais. Il y a plus de danger, il y a pas de trou, on peut y aller tranquille. Allez, on libère ces deux Mudokons et on va pouvoir se quitter là-dessus vu qu'on a terminé du coup le troisième Zoulag, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre par ici. Allez, on met les voiles. Aucune raison de rester plus longtemps à faire du tourisme ici, surtout qu'il n'y a pas de tourisme à faire. Hop. Hop. Ici, zou. Pas besoin de reprendre des grenades, il m'en reste. En plus, il m'en reste quand même en quantité suffisante. Ici. Je réfléchis. Ouais, non, on peut tracer normalement. Normalement, on peut tracer. Ouais, on peut tracer. Toujours peur qu'il y ait un trou quelque part et qu'on se retrouve à devoir tout recommencer. Ça serait un vrai merdier, ça me fait pas rêver. Ok, excellent. Bah écoutez, non, on va se quitter juste ici, hein, sur le petit tableau de contrôle. Donc bon, bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Un petit peu de fail, hein, quand même. Un peu de fail aujourd'hui. Et puis bah voilà, on se quitte là et je vous donne rendez-vous bah, à la prochaine pour le dernier épisode déjà, et eh oui. Et soyez attentifs, dans le prochain épisode, je vous donnerai un indice concernant le concours afin de gagner un Crash Bandicoot 2 tout frais. Tout frais, tout chaud, livré chez vous directement en partenariat avec Malo Inchibi. Et donc voilà, je vous donnerai un indice dans le prochain épisode. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé, d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao!